messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Nouvelle édition de Direct pour ce dimanche 26 décembre 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée aux nouveaux visages de la Haute-Égypte, surtout avec les inaugurations récentes, et notamment aujourd'hui du président Abdel Fattah el-Sissi. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en économie. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors on va commencer par un reportage qui est assez important d'ailleurs, qui récapitule les inaugurations du président Abdel Fattah el-Sissi aujourd'hui à Tochka, dans le gouvernorat d'Assouan, où il a inauguré un nombre de projets concernant surtout l'eau et l'agriculture. Alors je vous invite à l'écouter. Fattah el-Sissi a inauguré un nombre de projets de bonification de terrains désertiques dans la région de Tochka, dans le gouvernorat d'Assouan. Parmi ces projets figure celui de Tochka el-Khir, le plus grand projet de bonification agricole au Proche-Orient et l'un des géants projets que le président el-Sissi a réussi à raviver après des années de négligence. Au cours de l'inauguration, le président el-Sissi a donné ses directives concernant l'éventualité de respecter le calendrier de l'achèvement des projets agricoles à Tochka. Il a aussi enjoint de terminer rapidement le défrichement des terrains d'une superficie de 150 000 fédans jusqu'à ce que la production entre rapidement. Le chef de l'État a d'autre part indiqué que les eaux utilisées dans la culture des terrains agricoles dans le nord et le centre du Sinaï viennent de la station d'eau de Bahr el-Bakr qui vient d'être construite et où on effectue un triple traitement des eaux usées dans l'agriculture. Selon le président el-Sissi, il s'agit de la première fois de l'histoire du Sinaï qu'on parvient à cultiver un demi-million de fédans. Saluant les efforts de l'architecte du projet, l'ex-premier ministre défunt Kamel Ganzouri, le chef de l'État a aussi baptisé le nouveau pont de Tochka du nom de l'ex-premier ministre Kamel Ganzouri. Le président el-Sissi a souligné que l'État a créé des conditions favorables pour que ce projet soit une opportunité à saisir de la part des investisseurs. Et si c'est ajouté que 60% des terrains de Tochka sont disposés à être cultivés et exploités. Le chef de l'État a d'autre part affirmé que tout projet élaboré à Tochka est un projet gigantesque qui équivaut à la fondation du haut barrage. Le président el-Sissi a demandé aux médias de mettre l'accent sur l'ampleur de ces projets pour que l'opinion publique soit consciente de toutes les étapes de ces projets, de leurs frais et des énormes efforts déployés. Dans le même contexte, le directeur de l'organisme de projet du service national, le général Walid Hessein, a souligné que l'État a prouvé que sa vision était réelle en ce qui concerne la mise en place du projet Tochka qui était contesté à l'époque. Lors d'une vidéoconférence, le président el-Sissi a par ailleurs inauguré l'autoroute Tochka Est de l'Ouainet de 360 km de longueur. شباب أهل الصعيد دول زينة بلادنا الإرادة من حديد اتباهوا بولادنا هم دول آملنا جلنا قد المسؤولية ناس بتبني وناس بترسم الخطوة اللي جاية كل التحية والتقدير لأهالينا بصفة خاصة في الصعيد إحنا أسرة واحدة كلنا واحد محدش يقول أنت وأنا إحنا ما نفعله في بلدنا هو محاولة لتعويض ما فاتنا وما افتكرش ان في حد بيكون هدفه الاصلاح والبناء والتنمية الا ما ربنا سبحانه وتعالى بيسدد خطاه البلد دي هتقوم بينا كلنا بفهمنا كلنا وبايدينا كلنا مع بعضنا
Alors, comme on vient de le voir dans le reportage, le président a inauguré aujourd'hui un important projet, non seulement pour la Haute-Égypte, mais pour le développement de l'économie en Égypte en général. Alors, parlez-nous de l'importance de ce projet, justement, pour l'Égypte entière. Merci, c'est très important qu'on a maintenant vu aujourd'hui, hier, des grandes inaugurations des projets nationaux, surtout en Haute-Égypte. Mm-hmm. En fait, depuis 7 ou 6 ans, on avait des plans. Aujourd'hui, on a des réalisations, on a des projets concrets, on a des sur Terre des grandes surprises, même pas pour nous justement, mais pour le monde entier. Et ce sont des projets et des résultats vraiment exceptionnels. Les premières années de cette révolution, de renaissance de l'Égypte et d'un nouveau esprit en Égypte, les résultats étaient essentiellement des bases et des infrastructures, des réseaux routiers, des grands investissements dans des grandes villes étendues partout. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est la deuxième phase, je le considère la deuxième phase de développement, c'est la base, la phase économique. La phase de production, parce qu'on a une grande base au début, maintenant c'est le temps d'investir dans cette base. Par exemple, les grands réseaux routiers qui connectent Aouainet Est avec Toshka, par exemple. La connectivité, c'est une grande fondation pour le développement. Et maintenant, la connectivité en toute l'Égypte fait que le développement est devenu plus efficace et plus rentable et de point de vue plus économique, beaucoup plus efficace. Donc, maintenant, quand on voit les projets qui ont été inaugurés justement aujourd'hui dans l'agriculture à Toshka, par exemple, l'État et le chef d'État lui-même, il connaît bien les tout petits détails des chiffres. Et maintenant, on voit plus de 100 000 fédans qui ont été déjà réalisé, ce n'est pas des inaugurations des plans, comme on a dit. Ces résultats, ce n'est pas justement économique. Ça dépasse l'économie, comme il a bien indiqué aujourd'hui que l'agriculture et la sécurité alimentaire font partie de la sécurité nationale. Bien sûr. Donc, il y a plusieurs aspects. On avait beaucoup de problèmes comment créer ces projets, comment financer ces projets, les obstacles techniques, les obstacles financiers. Et surtout, on voit clairement le mot-clé, c'est toujours le temps. Mm-hmm. Le temps, ça passe très très vite. Donc je vois que maintenant, l'Égypte est dans une nouvelle base d'économie et je crois que ça sera très attirant pour les investisseurs étrangers. Mm-hmm. On reviendra certainement à cela, mais je voudrais parler de la cultivation des terrains d'Assouan. Bien entendu, Assouan est un gouvernorat qui est assez lointain, surtout du Caire. Donc, comment seront véhiculés les produits d'Assouan vers les autres villes d'Égypte ? À travers les chemins de fer, ou bien à travers les autoroutes, ou bien qu'est-ce qu'ils ont planifié ? Il y a surtout les chemins de fer, mais je voulais dire que Assouan est vraiment un peu loin du Caire, oui. Mais elle est très proche de l'eau et de terre fertile. Mm-hmm. Donc la côté positif, c'est que c'est plus efficace de faire l'agriculture en Assouan, parce qu'on est tout près de l'eau. Mm-hmm. Et c'est un signe qui est déjà très important, comment l'Égypte a un plan efficace et plus rentable dans l'utilisation de l'eau d'irrigation du Nil. Mm-hmm. C'est plus économique de faire ce type de projet en Assouan. Mm-hmm. L'agriculture est peut-être un domaine qui n'était pas prioritaire à Assouan, n'est-ce pas ? Louxor et Assouan étaient surtout connus en Égypte et étaient utilisés en Égypte surtout pour le tourisme. Bien sûr. Donc le domaine de l'agriculture, ça c'est un domaine qui est un petit peu maintenant nouveau, surtout avec ces gigantesques terrains qui seront cultivés à Assouan. Donc comment les cadres à Assouan seront formés pour pouvoir répondre à ce besoin d'agriculture ? Ce type de projet de très grande taille, le chef d'État a invité essentiellement les grandes boîtes, mm-hmm. ce n'est pas les individuels. Mm-hmm. Et c'est une stratégie beaucoup plus efficace et beaucoup plus forte. Mm-hmm. Ces grandes boîtes, soit des investisseurs égyptiens ou investisseurs étrangers,
vont former la structure de ce type de développement et surtout dans le côté mécanique. C'est mm-hmm. pas du travail individuel du tout. Mm-hmm. Mais comme les chiffres ont été indiqués aujourd'hui, ça va utiliser au moins dans cette région 500 000 employés, mm-hmm. des travailleurs. Donc les grandes boîtes vont faire la direction et la gérance de ce type de grande taille d'investissement. Mmh. Et quels sont les avantages que les investisseurs verront dans le fait d'investir à Tochka? L'investissement dans l'agriculture, surtout en Égypte, est un cas de remplacement de l'importation. On a entendu aujourd'hui les chiffres de l'importation du blé, par exemple. Mmh. Et si l'État veut diminuer l'importation du blé, par exemple, ils pourront facilement avoir un marché local. Ce n'est pas pour justement l'exportation, mais le marché local est de très grande taille en même temps. Mmh. Donc l'intérêt de l'investisseur surtout serait de garantir une population locale qui va consommer justement ces produits. Exactement. Exactement. Mmh. Il y a un autre grand projet à Assouan qui est un projet, mais dans le domaine de l'énergie, pour l'énergie solaire, c'est le projet de Bembem. Voilà. Comment est-ce que vous voyez la complémentarité de ces deux projets ensemble? L'Égypte, maintenant, surtout cette année de 2021, a commencé à faire partie du réseau mondial et de l'agrément mondial de l'environnement. Mm-hmm. Avoir une diversité entre plusieurs types de production d'énergie est vraiment très, très, très important et c'est vital pour nous. Mm-hmm. Surtout, on voit que il y a beaucoup de support, pas justement un support politique, mais surtout un support mondial à financer ce type de projet. Et je crois que l'étude et le dossier d'investissement de ce type de projet sera très, très attirant pour les investisseurs étrangers. Mm-hmm. Bembem est vraiment un projet exceptionnel de point de vue taille. Mm-hmm. Je sais bien que la discussion sur l'investissement de ce qui a été réalisé à Bembem est en discussion avec d'autres boîtes mondiales. C'est idéal à Assouan comme location, comme point d'avoir de haute énergie. Et on a aussi le marché de consommation, le réseau électrique égyptien en elle-même. Mmh. Le réseau électrique, c'est-à-dire La production est un réseau et ça passe à un réseau de distribution d'électricité. Vous parlez de la production de l'électricité. Oui. Mmh. Est-ce que vous pensez que de tels mégaprojets dans la ville d'Assouan, qui est surtout connue pour la civilisation pharaonique, les monuments pharaoniques, les temples, etc., peut affecter cette image de la ville d'Assouan? Ou bien, au contraire, peut-être? C'est exactement le contraire. Mmh. Parce que la civilisation, le tourisme, tout ce qui est historique, est toujours lié avec le moderne. On ne dit pas qu'on va éliminer les traces historiques d'Assouan ou de Luxor. Mais c'est au contraire, on va améliorer la qualité de vie, de travail, d'urbanisme à Assouan, et on voit que ça est beaucoup plus rentable même pour le tourisme. Mmh. Bon, on va passer à notre deuxième reportage qui concerne l'assainissement de l'eau. Le gouvernement égyptien a élaboré un programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement dans 4 gouvernorats de Haute-Égypte. Composé de plusieurs projets, il est la reproduction d'un programme similaire en cours d'exécution dans le delta du Nil. Voyons ensemble. L'installation de 52 stations d'épuration en Haute-Égypte s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement dans 4 gouvernorats.
34 d'entre elles ont été mises en service au cours de l'exercice 2018-2019. Elles traitent les eaux usées pour l'irrigation. L'ensemble des installations devrait traiter 418 millions de mètres cubes d'eau chaque année. La construction de ces usines de traitement des eaux usées nécessite un investissement de 8,1 milliards de livres égyptiens, soit plus de 462 millions de dollars. L'Égypte a réalisé des progrès importants en matière de desserte en eau potable. Cependant, l'accès à l'assainissement n'a pas autant progressé. En 2012, seuls 20% des eaux usées rurales étaient traitées. Cette situation est particulièrement marquée en Haute-Égypte, l'une des régions les plus pauvres du pays. La pollution du Nil et du système de canaux d'irrigation par les eaux usées s'en ressent et a des conséquences graves. Elle menace l'agriculture et la production d'eau potable et constitue un danger pour la santé de la population avoisinante. Le programme d'amélioration des services d'eau et d'assainissement en Haute-Égypte vise à réduire la pollution des surfaces d'eau et les risques sanitaires. Le programme contribuera efficacement à l'amélioration en quantité et en qualité du service de l'eau et de l'assainissement dans les gouvernorats de Kena, Sohag, Assiout et Minya en Haute-Égypte, grâce à un programme d'investissement sectoriel centré sur les besoins les plus urgents. Ce projet permet également de consolider la réforme du secteur de l'eau en renforçant les capacités de programmation et de pilotage stratégique de la holding des eaux. Le programme assure également le renforcement des capacités des sociétés à planifier et à réaliser leurs programmes d'investissement en améliorant leurs performances techniques et financières pour recouvrer leurs frais d'exploitation et de maintenance. تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق. احنا جادين قوي في مواجهة تحدياتنا، احنا بنقاتل ما نحن فيه عشان نخرج منه، بفضلك يا رب هنخرج منه. اللي بيعاني معايا الحكومة، لان هم لما بيقعدوا معايا ما بيعجبنيش حاجة خالص. بالمناسبة اللي خلص ما بشوفوش، أنا بشوف اللي ناقص. طب ليه؟ لأن ده الواجب اللي عليا، فأنا مش هفرح أبدا غير إن قدرت تخلصوا كل شيء عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. Et nous revoilà de retour et on poursuit avec monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en économie. Donc, comme on vient de le voir, le président accorde une grande importance au projet de l'assainissement de l'eau. Même dans certaines régions, il y a de grands projets maintenant pour dessalir l'eau en Égypte. Alors, parlez-nous de tous ces projets et surtout, ils ont mentionné le traitement des eaux usées pour l'irrigation. Comment tout cela Il faut faire. Il y a une grande différence entre deux types de traitement de sainissement. L'eau qui vient de l'irrigation et l'eau qui vient des égouts. Donc, ça, c'est dans les villes et les petites villes. Et l'autre, c'était le très grand projet qui était à Bahr el-Bar. Et ce type d'eau, le degré de pollution est beaucoup moins. Et c'est beaucoup plus facile de transformer cette eau avec un traitement à trois étapes, le transformer en eau qui est facile et économique et de point de vue
hygiène, ça, c'est convenable à l'irrigation, surtout dans la région du Sinaï. Mm-hmm. Ce projet est le plus grand au monde. L'autre phase, c'est le traitement des eaux qui viennent des villes, des égouts. Mm-hmm. Et c'est aussi, c'est pas justement pour améliorer la qualité de vie des gens. C'est beaucoup plus profond. C'est parce que la pollution qui vient de ne pas traiter ces eaux mm-hmm. fait que l'infiltration de ces eaux passe au terrain agriculturel. Mm-hmm. Et cette pollution est très dangereuse. Mm-hmm. Et c'est partout maintenant dans les terrains agricoles et autour des villages, des anciens villages surtout, mm-hmm. où la population a augmenté énormément mm-hmm. et qui dépasse la zone urbaine aux zones agricoles. Mm-hmm. Exactement. Donc, ces deux types, maintenant, quand on a vu en Haute-Égypte, c'est le deuxième type, le traitement dans les villes. Mm-hmm. Et aussi, on peut les utiliser dans d'autres types d'irrigation, mais pas pour l'agriculture alimentaire. Mm-hmm. Et celui, le projet qui va se faire à Soin, il va concerner quoi exactement ? La plus grande partie, c'est le traitement des égouts. Mm-hmm. C'est pas pour l'irrigation. Mm-hmm. Bon, et avec ces gigantesques terrains agricoles, quelle eau ou quel genre d'eau ils vont utiliser pour cultiver tous ces terrains ? On a la grande lac de Nancy, qui est la première et la plus proche connexion. Mm-hmm. Et au lieu de faire transporter l'eau jusqu'au delta, mm-hmm. et durant ce très grand trajet, il y aura beaucoup d'évaporation et des... on va des grandes pertes d'eau dans ce grand presque qui dépasse les 600 km. Mm-hmm. C'est beaucoup plus économique de ne pas perdre ces grandes quantités d'eau mm-hmm. et l'utiliser à Ouainet et à Toshka. Mm-hmm. Et à Toshka, il y a aussi la terre fertile. Mm-hmm. Et pas de pollution. Et à Soin, la terre est très fertile. Exactement. Et il n'y a pas de pollution, mm-hmm. on est très proche de plusieurs zones où il y a de grandes populations qui cherchent du travail, mm-hmm. et on est aussi très proche de la lac d'Assouan. Mm-hmm. Bon, parlant justement de la route Toshka à la Ouainet, quelle est l'importance de cette route, surtout qu'à la Ouainet, c'est presque un désert. Le projet de Toshka a commencé depuis une dizaine d'années ou beaucoup plus. Mais on avait toujours les problèmes essentiels. La connectivité, le logistique derrière, le financement, tout était très difficile. Et les problèmes techniques. Mm-hmm. Maintenant, l'État annonce que tout type de dossier, l'État attaque ces dossiers et résout tous les problèmes. Mm-hmm. Parce qu'il y a l'intention politique mm-hmm. et aussi le support politique. Le chef de l'État suit lui-même qu'on va dépasser tous les obstacles mm-hmm. techniques, financement, connectivité, la connexion avec l'électricité. C'est pas justement, on a vu aujourd'hui, c'est pas des connexions temporaires, mm-hmm. c'est toujours des solutions permanentes. Mm-hmm. Bon, qu'est-ce qui est prévu sur le plan du développement à El Ouainet ? L'agriculture aussi ? Ce n'est pas justement l'agriculture, mais c'est de la création des sociétés et des communautés. On voit que l'État prépare des hôpitaux, des écoles, des habitations, des endroits pour bien recevoir les travailleurs, les gens qu'ils s'installent, mais pas ce type de travailleurs qui vont venir travailler et chaque mois ils retournent à leur village. Mmh. Donc c'est très important ce type de stratégie. De faire une installation, des installations durables pour les gens qui viennent, qui s'installent. On a la même chose qui doit être partout, surtout dans la région du nord-ouest, à Al-Alamein par exemple. Mm. Il y a beaucoup d'agriculture, comme on a une grande delta qui se construit maintenant à Toshka, mm-hmm. qui dépasse les 500 000 Feddan, on a beaucoup plus au Tariq Daba, mm-hmm. où il y a beaucoup, beaucoup plus de travail, une deuxième ou troisième delta qui se crée maintenant avec le même support politique. Mm-hmm. Bon, l'État, il
Il fait ce qu'il promet et il a une stratégie qui est très claire de peupler tous les quatre coins de l'Égypte. Et bien entendu, tous ces projets contribuent à éradiquer le chômage. Mais est-ce que les citoyens égyptiens, et tels qu'on on les connaît, ils n'aiment pas beaucoup changé de place, est-ce qu'ils ont la conviction aujourd'hui qu'ils doivent contribuer physiquement avec leur famille à ces nouveaux projets? Je crois que le contraire, exactement, un travailleur égyptien, citoyen égyptien, qui travaille, qui trouve un travail dans un autre pays, il se déplace vers un autre pays. Donc je suis dans la direction qui dit on doit créer du travail, on doit créer de l'économie derrière ce type de développement. Les gens vont se déplacer. Mais ils ont besoin aussi, comme on a dit, tout type de services et de supports. On ne peut pas leur laisser sans créer des familles. Et famille, c'est-à-dire éducation et du travail. Et connectivité pour faciliter le transport en même temps. Faciliter le transport, pas justement des citoyens, mais aussi des marchandises, des équipements et des investisseurs. Donc la connectivité, c'est la deuxième ou la troisième grande fondation principale du développement économique. Comment vous voyez l'économie de l'Égypte, son évolution durant les 5 dernières années? Exceptionnel, c'est le terme qu'on peut utiliser, mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui le sait, qui le sache. Je crois qu'on a fait un record dans tous les domaines vraiment très exceptionnels. Tous les gens qui arrivent, les investisseurs qui viennent, et on a reçu beaucoup de fédérations internationaux qui viennent visiter l'Égypte et sont étonnés. Mais à la fin, les pays ne nous voient pas, le monde ne nous voit pas de telle façon qu'on a fait ces réalisations. On a besoin de faire beaucoup plus de promotion, du marketing, de publier tout ce qui se passe en Égypte d'une façon beaucoup plus facile. Je sais bien que ce n'est pas le type où le type du chef d'État qui fait une publication internationale, mais c'est essentiel. Est-ce que avec le Covid-19 et maintenant avec Omicron, est-ce que vous pensez que cela peut un petit peu freiner la volonté des investisseurs étrangers à vouloir investir à l'étranger? Après Covid, maintenant les marchés qui ont été fermés pour 2 années, par exemple, presque 2 années, s'ouvre maintenant en Europe et en Amérique et partout. Mais les indicateurs qui ont été dans ces 2 années sur l'économie égyptienne ont été une preuve, et heureusement que ça s'est passé comme ça, qu'ils ont mis l'Égypte dans l'écran international de l'investissement. Et cet indicateur est très très important pour attirer maintenant les grandes boîtes pour venir. Mais la façon d'attirer ces boîtes doit être une façon aussi de la même langage de ces boîtes. C'est-à-dire les investisseurs, ils viennent à partir des grands consultants internationaux qui leur donnent des informations où ils peuvent investir. Et c'est quoi les risques? Comment et les revenus en même temps? Ces grandes boîtes travaillent avec des indicateurs. Maintenant, on a dépassé que tous ces indicateurs pour l'Égypte sont très positifs. Mais ils ne sont pas publiés à la même taille de la réalisation. Mais c'est des journaux économiques internationaux qui publient cela. Oui. Je veux dire, ce n'est pas les affirmations de l'Égypte. Non, mais il y a des grands événements internationaux où on doit toujours les atteindre et introduire l'Égypte et faire des promotions dans ces événements, ces grandes conférences et présenter notre expérience. Mais vous savez qu'aujourd'hui, avec Omicron, 7000 vols en Europe ont été annulés? Oui. Donc ça, certainement, ça va affecter l'économie mondiale. Mais ça a été affecté depuis 2 ans et en même temps, on a vécu une période qui était vraiment positive. Comment? Alors expliquez-nous comment. Parce que le gouvernement a pris la décision de faire un type d'équilibre entre l'arrêt complet et la continuation
dans les champs, surtout dans le travail des infrastructures et des nouvelles villes. Ils n'ont pas freiné tellement que l'économie soit effectuée négativement. Et le travail a continué. C'est pour cela que les indicateurs étaient toujours positifs. Et maintenant, on est pris, après 2 ans de travail où tout le monde n'avait pas de travail, on est pris avec des infrastructures convenables à recevoir, comme dans le domaine, par exemple, du tourisme. Mm-hmm. Quand le monde a ouvert ses vols, par exemple, dans presque 1 ou 2 mois, toute la mer Rouge a été occupée à 100%. Mm-hmm. Donc on doit être toujours prêt. Et on a aussi le marché égyptien, le marché local, mm-hmm. qui est de très grande taille, 100 millions, c'est le deuxième plus grand en Afrique. Et surtout dans le domaine de l'import-export, l'Égypte a beaucoup diminué ses importations et a augmenté ses exportations. Dans quel genre de produits exactement ? L'agriculture et quelques produits industriels. Mm-hmm. Parce que l'agriculture maintenant qui vient de tous ces types, de ce taille de projet, est, je crois, une plus grande amélioration qui va venir dans les années prochaines. Je crois que l'exportation surtout des produits agriculturels vont être beaucoup plus grands. Mmh, on l'espère. On va passer à notre dernier reportage. En effet, le programme du développement intégré de la Haute-Égypte s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. C'est donc l'occasion de revenir sur les acquis de la première phase et les objectifs de la deuxième lancée en mars dernier. Un reportage. L'initiative présidentielle Vie décente, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement durable Égypte 2030, porte sur 4 axes. Améliorer le niveau de vie, développer les infrastructures, améliorer la qualité des services et réaliser un développement économique. Et ce, en mettant en place un plan de développement intégral des sociétés rurales, en y réduisant la pauvreté et le chômage, améliorant les services sanitaires, éducatifs et les infrastructures, notamment la fourniture d'eau potable et l'installation des réseaux de drainage sanitaire. Le ministère de la Planification a lancé début janvier dernier un système électronique pour identifier les besoins et les domaines de développement dans les villages visés par l'initiative, tout en préparant un plan pour les diverses interventions nécessaires. Selon la ministre du plan, cela permettra d'améliorer les portées de l'initiative en lançant des plans de développement en fonction d'une base de données exacte. La numérisation de l'élaboration des plans facilitera le suivi de leur exécution et le règlement des problèmes qui surviennent. La deuxième phase de l'initiative accordera un intérêt particulier aux enfants, aux femmes et aux jeunes. Ce projet de développement intégral traite tous les volets sociaux, économiques, urbains, éducatifs et sanitaires pour assurer aux habitants de ces villages des conditions de vie dignes. Lancée en juillet 2019, la première phase de l'initiative Vie décente a visé le développement de 375 villages parmi les plus pauvres dans 14 gouvernorats où le taux moyen de pauvreté a dépassé les 70%. Le plan de développement de cette phase a consisté à fournir les services essentiels à ces villages dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des infrastructures comme l'eau potable, l'électricité, le gaz, la réhabilitation de routes et le logement. L'identification de ces villages défavorisés s'est effectuée en référence au recensement de l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques CAPMAS du taux et du schéma de pauvreté. 23 organisations non gouvernementales en plus du secteur privé ont participé à la première phase sous la supervision du ministère de la Solidarité sociale. Un budget de 13,5 milliards de livres égyptiennes a été consacré à cette phase dont ont bénéficié au total 4,5 millions de personnes. Sur les 375 villages, les plans de développement d'infrastructures et de réformes économiques ont été achevés dans 143 villages. Il s'agit de 1,8 million de bénéficiaires alors que les travaux sont en cours dans les 232 villages restants, soit 2,7 millions de bénéficiaires. Un total de 2180 projets de développement économique et d'infrastructures ont été lancés, dont 600 ont été déjà achevés. Le reste est en cours d'exécution.
Les projets consistent en la restauration de 21 974 maisons, la fourniture de 354 unités de logement en famille à faible revenu, 150 000 pour ceux à revenu moyen et 262 000 aux habitants des bidonvilles. Pour diminuer la densité dans les classes, 1100 classes de capacité d'accueil de 44 000 élèves ont été établies ainsi que 51 centres médicaux. Par ailleurs, 186 525 familles démunies ont profité des aides sociales et économiques présentées, alors que 113 909 personnes ont bénéficié des services des convois médicaux envoyés. Comme on l'a vu dans le reportage, l'initiative Vie décente, elle va non seulement changer le visage de la Haute-Égypte, mais elle va changer le visage de l'Égypte tout entière. Quelle est l'importance socio-économique de cette initiative ? C'est bien d'utiliser le terme socio-économique parce que le développement essentiellement est un socio-économique, ce n'est pas urbain. L'urbanisme, c'est un résultat. Mais le socio-économique, c'est le développement et le but essentiel du développement. Vie décente a une côté qui est très, très important, c'est la qualité de vie. Mais aussi, un deuxième point qui est vraiment très essentiel, c'est que le peuple sent qu'ils sont partenaires, qu'il y a des résultats de ce développement sur leur vie quotidienne, sur leur vie, leur travail, leur revenu et la qualité de leur partenariat avec l'État. Et c'est la première fois qu'ils le sentent. Et ça ajoute beaucoup à leur efficacité et le lien entre eux et le gouvernement qui était vraiment très détérioré. Je crois que la qualité de vie, la qualité dans l'éducation, dans la qualité médicale, dans les réseaux routiers, eau potable et traitement des égouts sanitaires, on a besoin de cette phase pour améliorer la qualité de vie, mais pour moi, je considère que c'est la troisième phase de développement qu'on a besoin, c'est de préparer tout l'Égypte à une révolution dans l'industrie. Bon, où en est-on? Juste avant de passer à l'industrialisation, je voudrais souligner que Vie décente s'occupe aussi des relations maritales, des relations de parenté, puisqu'on parle d'un changement social. Donc, cette initiative, elle englobe aussi comment éduquer nos enfants, pour les mamans et même pour les parents, pour les jeunes couples qui vont se marier, quels sont leurs devoirs et leurs responsabilités. Donc, elle touche vraiment au profil de la famille égyptienne. Oui, la partie sociale. Toujours la partie sociale est la dernière partie qui est où tous les résultats de l'économie, du travail et de l'éducation passent aux dernières étapes à la partie sociale. Éduquer les gens, c'est créer un nouvel type de vie pour les Égyptiens, une nouvelle qualité de la personnalité égyptienne. Culture avec éducation. Type de respect avec le gouvernement, le lien qui est, comme je vous ai dit, le sentiment d'être partenaire avec la citoyenneté. Exactement. Et pour éduquer les gens, ils doivent nous bien entendre et respecter ce qu'on dit et croyer à ce que l'on dit. Et le comprendre déjà. Oui, oui. Donc, sans avoir cette relation de ce sentiment mutuel, de marginalisation dans la société. On ne peut pas créer un développement réel. C'est sûr. On va terminer par l'industrialisation maintenant. Où en est-on avec l'industrie en Égypte? Toutes ces bases soit d'infrastructures, la préparation du citoyen égyptien, de sa qualité de travail, de vie, d'éducation, est une base que je le considère la base essentielle pour créer une vraie amélioration dans l'industrie. Tous les pays qui veulent se développer, la base c'est l'industrie. L'économie pour l'industrie, l'agriculture pour l'industrie, le financement et le système bancaire pour l'industrie. Le développement réel
de tous les États, partout, dans l'histoire, dans tous les pays, c'est l'industrie. Et je crois que, qu'on se prépare à cette phase prochainement. On l'espère. Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Torra, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'était aussi un plaisir, bien entendu, de vous avoir avec nous. Et donc, on se quitte sur cette note. Et on se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.